Je pense que la sécurité sociale, l'assurance maladie, l'hôpital public sont des choses extrêmement fragiles, extrêmement importantes, vraiment au cœur de la solidarité, qui ne marchent pas si mal que ça en France, et pour lesquelles je trouve que l'appel qu'on entend aujourd'hui, c'est de dire comment le défendre, sans effectivement que les dépenses explosent. Hein, nous, on sait ce que c'est, les contraintes, mais je vais vous dire juste l'hôpital public. C'est probablement le secteur économique, avec deux guillemets, dans lesquels le plus d'efforts de productivité sont faits chaque année. Parce qu'on reçoit plus de patients en dépensant à peine plus chaque année. Donc moi, je me battrais sans aucun problème pour défendre un système qui doit pouvoir évaluer. Nos statuts sont peut-être trop figés, il y a peut-être des tas de choses à réaliser, mais pas toucher au cœur des valeurs et pas inquiéter les Français sur... vous voyez, les logements, on n'a pas réussi à le faire. En revanche, en France, on peut dire que quiconque malade... quiconque avec un problème de santé est bien pris en charge, comme tout le monde.